Ah ouais, 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 non, non. Regarde, regarde, on va faire du rassemblé. Un pieuf, regarde. Yeah. Ça a du rebond. Ouais, ouais, il a du rebond. Ça a plus qu'en partant, mais... Voilà, c'est bien, ma fille. Voilà, c'est bien. Elle a complètement cédé, là. Là, j'ai plus rien. J'ai plus rien dans les doigts. Là, j'ai plus rien dans les gueules. J'ai plus rien. Elle est complètement cédée. Regardez, elle est complètement en place. Ah, voilà comme je vous aime, les mulassiers. Va, ma fille, va. Brave. Oui. Quatre comme ça. Voilà, ah, quatre comme ça. Et puis, on fait concurrence au percheron noir. Regarde-la comme elle est. Regarde-la comme elle est bien. Regarde. Là, ma fille, t'es belle. Prends de la graine, toi. Rosalie. Ça pèse combien une bête comme ça? Celle-là? C'est ça, oui, entre les... Oui, j'avais donné des poids. C'est ça, voilà. C'est ça. Il y a des poids de vin qui font jusqu'à 850 kilos, quoi. Dites-moi, pour la postérité, vous pouvez me rappeler votre nom et votre prénom, s'il vous plaît, jeune homme? Yves de Cavel. Yves de Cavel. Là? 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 Oh! Oh! Allez, Poulane, marche. Pour rentrer avec un cheval calme, tranquillement, qui a eu le temps de récupérer, etc. Mais bon. Là il est rentré. On aurait dû se mettre au pas gentiment quand on était au bout de la rue là-bas. Ouais. Bon, je suis venu au trot parce que la jument était bien, qu'il avait été soulevé. On galopait. Tu me diras pas un moment, hein. Tu aurais dû copier tout avec les petits papillons, le petit truc en dessous. Non, mais c'est bien ça. C'est bien, impeccable. Passage de langue, impeccable. Donc ça, c'est un mort pour quel cheval? Pour le cheval de trait, hein. Cheval de trait. Bien, un cheval de Camargue, en fourrage. Entre 5 et 7 kilos, voilà, de fourrage par jour. C'est intéressant. J'ai un ami qui en cherchait une, parce que moi j'en ai déjà deux. Et cet ami s'est installé l'année dernière en traction animale dans le Ménervois. Et donc, en plus, il construit des nouveaux outils, notamment avec des porte-outils avec vérin, pour passer dans les rangées et pour gagner du temps. D'accord, donc en même temps, modernité. Modernité sur l'outillage, arriver à être plus compétitif sur le temps d'intervention, ouais. Moins fatiguer le cheval. Ouais. Et donc, sur des terrains souvent pas trop accessibles à la mécanisation. Oui. Ouais. Donc là, il est en temps d'intervention maintenant, avec son avant-trait, il a le même temps d'intervention que le tracteur. D'accord. Dans les vignes, on fait tous les travaux avec les chevaux. Ça part du décavaillonnage, labour, sarclage, butage, débutage, bien sûr. Et on fait aussi les vannages. Et les traitements. Donc, traitement, pulvérisation mouillée et poudrage. Donc, poudrage, on a restauré une machine, donc entraînement par les roues, qui entraîne une turbine. Donc, ça, énergie zéro, c'est le cheval qui fournit l'énergie. Ça marche très bien, on fait un hectare à l'heure. Et après, la part de pulvérisation, c'est interligne, c'est tiré par le cheval. Et on a moteur électrique, pompe électrique avec une batterie. Donc, on embarque la batterie, on a la matinée d'autonomie.